À la glace. Qu'est-ce que glace, dis-je? Non, il y a un braque, il y a un braque. Kema, Kema, bonjour. J'adore la cuisson asiatique. Ah oui. J'adore la cuisson asiatique. C'est très bien pour la santé. Elle te fait tuer léger. Il n'y a pas de dos, Yangpouti. Tofu. Tofu, hein? Tofu. Oh. Profitez de la vie, les gars. Faut profiter de la vie, Kema Kema. Voilà. J'adore la cuisson asiatique. C'est très bien. C'est léger, c'est léger, c'est léger. On se plaint du surpoids. Et on ne veut pas se séparer de ce qui nous donne le poids. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Voilà. Non. Ah oui, Dieu, pour profiter de la vie.
Dieu dit, il faut profiter de la vie. Il ne faut pas se fâcher. Non. Il faut profiter de la vie, les gars. Nous sommes nombreux à trop réfléchir. On ne profite pas de la vie. Comment on se plaint? Voilà. Tes regrets, c'est les opportunités que tu n'as pas saisies hier et que tu pouvais bien saisir. Les regrets de demain, c'est ce que tu pouvais faire hier, que tu n'as pas fait. Voilà tes regrets. Et c'est là qui va te causer ta chute. C'est ça qui va aggraver ta maladie. Parce que tu n'as pas profité d'hier, alors que tu avais les opportunités. Dans la vie, là, il faut être careful. On a voyagé. Tu peux voir le villageois de Franco arrêter un bâton comme ça là. Hein? Ou bien le villageois de Steve Fa. Hein? Ou bien les colonels nous ici. Ou bien qu'ils sont docteur. Mange avec son voix. Mange. Tu as marché. Tu as voyagé. Et tu veux que je me taise quand tu parles? Hein? Et si au bout du monde, hein? Toi tu as eu ton doctorat, tiens. Tu veux que quand tu parles, je ne parle pas. Parce que tu connais parler la langue française. Dégage avec ça, dis-donc. Je suis en Indonésie, je parle basse indonésien. Ça ne s'enseigne pas à l'école. Il faut marcher, il faut voyager. On n'enseigne pas tout à l'école. D'ailleurs, l'école, c'est la répétition. La vie. C'est les éternelles découvertes. Ah oui. La vie, c'est ça. On découvre tous les jours. L'école, c'est la même chose. La même chose. Donc nous, là, nous sommes les savants. Un ninja, un Chris Brown, Kema. Nous sommes les savants, nous sommes les connaisseurs. Comment tu vas te taire quand un non-voyageur te parle? Hein? Moi tu te tais quand quelqu'un, un non-voyageur te parle, depuis quand tu te tais? Jusqu'à tu es frustré, parce qu'il parle bien français. À part ça, il ne connaît rien. Fouille sa vie. C'est un irresponsable. C'est un célibataire endurci. Il n'a pas ta responsabilité. Manga diaspora, tu parles quoi comme ça là? Il a fréquenté à l'école des blancs, mais il n'a pas fréquenté l'école de la vie. Il n'a pas marché, il connaît rien. Je le vends vivant, il mange son argent. Goodman, c'est bien. Hein? Alors pourquoi les Asiatiques mettent l'ongle sur terre? Regardez ce qu'ils mangent. Voilà. Plaisir et pas. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Comment? On a trop marché. Pour se taire parce qu'un enfant a le doctorat. Oui, on respecte son cursus académique. On respecte sa volonté d'avoir été à l'école. Mais tu ne peux pas venir nous apprendre à grimacer. Nous sommes les terres à terre, c'est le terre à terre, c'est la réalité qu'on vit. Hein? La réalité. C'est dans le tas qu'on a appris l'anglais. C'est dans le tas qu'on a appris à parler maltais, italien. C'est dans le tas, dans la rue. On a même fait l'école de ça. Même le français là. C'est parce qu'on a trop marché. C'est dans le tas qu'on a appris à parler l'arabe. Et toi, tu es parti apprendre à réciter. Hein? Hein? Tu as allé réciter. Et tu veux quand tu parles, on te reproche pas. Ah, tu es qui? Et pas. Ça dit quoi? J'avais un ami d'enfance, un gars est pas. Ma poitra. Bonjour mes frères.
Mais c'est toujours élégant, non? Attends, tu as vu un gars de Mungo qui est un villageois? Alors pourquoi les Asiatiques vivent pour longtemps? Voilà. Oh, ma soeur chérie, Patricia et Mombo. Comment non? Ruben Foncam. Ça veut dire quoi? Kamé Brian. Ça c'est ma future influenceuse. Patricia et Mombo. Elle est là, je ne connais pas vraiment sa position. C'est une gars que Yamo. Mais elle est là, elle crâne. Hmm? Tu dragues une gars, elle dit que oh, ma mère a fait que. Dit, ta mère et moi, ce qu'on a. Et toi que je connais, je le respecte parce que ta mère a accouché une belle fille. Mais, pour le rapport. On dit qu'on te Yamo, tu vas envoyer ta mère à Jakarta. Hmm? Ça me fait quoi? Je dis que toi, tu es Yamo, Patricia. La femme qui ne peut pas supporter la polygamie aujourd'hui, c'est une perdue. Elle va aller en enfer. Ah. Henri Wanda, ça dit quoi? Oh, Pichou et soi. Attends, Pichou et soi, c'est pas un petit soeur de Mbanga là. Elle est maintenant à soi. C'est Eswa. Elle est où maintenant? Sanchez, Tima, c'est comment? Oh, le célèbre lion. Restaurant, qui c'est? Maître. Manidou, Anne. Pichou et soi, c'est là. C'est pas toi la bosse, ma petite soeur de manga là. Voilà. Il faut venir seul. Hein. Voilà, Pichou et soi. Qui avait une grosse poitrine comme ça, une petite fille comme ça que y'a moi à l'époque. Tu es devenu quoi? Voilà une soeur. Elle veut venir à Jakarta. Elle veut porter sa mère, mettre derrière elle. On dit que tu viens, on te donne une chambre. Toi, tu vas amener ta mère. Mais dans le monde, venu, on fait comment? Pas de la joie. Johnny, Brice, ça dit quoi? Hein? Quoi moise, Yalana. Adida Longchi. Et comment non, les gars? Si on te dame. Il mange. Aqualas, Djengela. Le maestro. Ouais, Jacques Brenda, le nom Brenda, il faut avoir peur de cet ancien. Hein. Petit frère, parfois dans la vie là, quand un nom sonne mal, parfois tu enlèves ça pour un temps, que le nom se repose. Jumado, c'est comment non, ma soeur? Pierre Gaspard, Fofou. Thierry Alain. Le célèbre le lion. A dit quoi? Alain Gako Yamo, Mateke Mamba, ça dit quoi? Alain Gako Yamo, elle me dit qu'elle veut venir à Jakarta. Dikoto, tant que bon, j'ai la Yamo. Et que bon, tu vas venir, non? Tu viens. Mais elle veut voir m'envoyer un message qu'elle va venir avec sa mère. Faut qu'elle ait ta mère. Tu viens, elle te donne une chambre. Je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Donc maintenant, dans la nuit, on ne sait jamais. On peut se mettre facilement. Comment tu vas venir, te donne la chambre, tu dois avec ta mère, comment? Et tu vas méfier toi des femmes que tu invites, elles viennent avec les autres. Voilà. Ça veut dire qu'elle a lu tes pensées. Brico Dubois, Félicité Melingui. Ça dit quoi? Colin Amand, Ndombo, Nganou, Stephen Joe. On a mis je suis polygame. Même faut se marier. Il faut d'abord préciser, je suis marié, mais quel est mon statut? Même d'abord sans être marié, l'homme est un polygame qui s'ignore. Même quand tu te maries, tu vas aller signer monogamie là. Tu es juste ignorant, tu ne connais encore rien. C'est quand tu vas recevoir les coups dans ton foyer que tu vas comprendre que oh, j'aime. Trompe tout le monde entier. Mais c'est le jour de ton mariage, tu vas voir si tu as pris la bonne décision ou pas, petit frère. C'est un vieux qui te parle. Ok? Il y a des gens qui ont rap sense.
après 20 ans de mariage, hein, qu'ils avaient choisi le mauvais statut. Alors tu comprends? Tu as encore un mouton, tu ne connais rien. Est-ce que je l'ai invité? Christian Marcel Simon, je ne l'ai pas invité. Elle dit qu'elle veut venir se balader en Indonésie. Elle dit que, ok, tu vas venir. Elle me dit que c'est comment? Elle dit que, ah, il y a la place, non? Je peux te donner une chambre, tu dors là-bas. Mais comment on veut t'aider? Tu vas amener quelqu'un d'autre. Toi, tu avais ta main. Comment? C'est quelle manière ça? Je suis le bois. Hein? Donc, on t'invite. Le gars check que peut-être l'argent ne suffit même pas. Le gars calcule le frigo. Donc, si je charge le frigo par mois, 200 $. Je vais commencer à charger, hein, 400 $ parce que tu es arrivé. Hein, dans le Moronto, voilà, pour te prendre sans te draguer, je vais aller au marché traditionnel, j'achète les plantains, j'achète le poisson frais, tout et tout. Est-ce que l'anga est venu? Alors, tu sors de Paname, tu viens. Comme ça ne suffit pas, tu portes ta main au Cameroun pour amener ici là. Pour faire quoi? Pour qu'elle me gronder chez moi. Pardon. Mais t'as resté comme ça là. Mais t'as raison, ça, mon frère. Mon ami, la polygamie c'est le meilleur risque. Il y a Akilas Djungela, je t'ai laissé comment? Ton nom d'abord ne ressemble à rien. Vous venez sur Facebook, parfois vous êtes célibataire. Parfois on a même l'intention de vous draguer. Mais vos noms la font peur. On ne connaît pas si tu es une femme, si tu es un homme. Les noms compliqués. Les noms compliqués. Pat la joie, c'est comment? Franck Kevin, ça dit quoi? Parfois une femme te yamo, parfois un homme te yamo. Mais le nom, tes photos compliquent la vie. Tu es là, tu es un homme, mais tu es comme une femme. Tu es là, tu es une femme, mais tu es comme un homme. Tu es une femme, mais tu as le nom d'un homme. Ça fait peur. Qui va aller oser draguer une femme musclée? Vous faites quoi avec elle? Femme qui est dure, dure partout. On dit l'apparence est trompeuse. Tu dois avoir un truc physique qui attire, même ton nom. Ouais, ma calcul, ma peur. Faut tout calculer. Parce que c'est un mombo, ça dit quoi? Tu bailles ton bien? Non, non, non. Ok, si tu bailles ton bien, c'est celui d'arrêt, mais va dormir à l'hôtel avec elle avant. Va dormir à l'hôtel. Et quand tu viens, tu peux me rendre visite. Voilà. Voilà. Me rendre visite. Ce que vous, les femmes, vous avez fait aux hommes, là, ça m'a servi de leçon. Jamais de ma vie encore. Voilà. Petit frère, si tu es dehors, même si tu es en Gabon, même si elle ne parle pas avec ta mère, la première personne que tu dois inviter, c'est ta rémé d'abord. Les femmes, c'est celle-là que tu vis avec elle. Elle a calculé même le jour de ta chute. La femme est toujours celle-là qui met dans son calcul qu'un jour mon mari peut chuter. Voilà pourquoi elle fait tout le bien dans sa famille. Voilà, elle prévient tout. Voilà. La femme que tu vois là, avant de s'engager, elle a déjà mis. C'est-à-dire, dans sa tête, elle a mis qu'un jour tu peux chuter. Ida, Ida, ça dit quoi? Mamie Kevin. Ida. Non, non. Femmes, les femmes, c'est les opportunistes. Petit frère, tu as l'argent dans ton cœur, tu sais que tu ne peux jamais chuter avec tout ce que tu as, mais dans la tête de la femme, elle sait que le gars, s'il va chuter un jour, premier enfant, non, chéri, fais venir maman, non, maman la précise par honte, non, j'ai fait venir ma mère. Il faut tout demander à ta femme quelle mère, parce que dans sa tête là, elle ne pense même plus à ta mère. Oh, le jour que tu l'as épousée, les femmes. Barat dans l'amour. Elle va te calanter, tu vas faire monter toute sa famille. Pour un enfant qu'elle t'a donné, tu fais monter deux. Deuxième enfant, tu fais monter trois. Troisième enfant, tu fais monter quatre. Tu ramasses toute la famille. Oh, laisse ça, pardon, laisse. Yes, les femmes, enfants de Dieu, ça dit quoi? Les femmes sont les calculatrices.
Voilà, elles sont les calculatrices. Elles te prennent doucement, 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 doucement. Voilà. Après, tu mets la main sur la tête. Commence à regretter ce fait tard. La femme avant de quitter pour aller là où il y a son mari, elle connaît déjà la loi là-bas. Il veut faire 2 enfants, 3 enfants, le gars ici là. Comme il crie sur moi au téléphone là. Il vient souvent ici en Afrique, il me crie fort sur moi là. Le jour que j'arrive là-bas, d'abord je lui fais ses enfants. Je condamne sa vie. Un matin, je le mets dehors. Comme ça. Et c'est ce qu'elle vient, elle applique. Ah, ouais. Pendant ce temps, pendant 5 ans là, elle t'a donné 3 enfants. Elle a fait monter toute sa famille. Tout ça, c'est toi. Voilà une femme qui ne travaille pas. Mais, avec ton statut, tu as fait monter toute sa famille. Toi-même, dans ta famille, tu n'as même pas fait monter ta mère. Niéman. Sandrine Tchamba, voilà une. Peut-être bientôt tu vas comprendre toute la famille de Sandrine Tchamba. Une femme ne s'inquiète même pas que son mari va construire la maison. Chérie, achète l'appartement, non? Priorité d'abord, sa famille. Petit frère, si tu fais ça, tu es niéman. Voilà. Christ de Dieu, dit Bango. Ça dit quoi? Hein? Beaucoup de gars parlent seuls ici, là dehors, à cause des femmes. Mais ils accusent leurs collègues, ils accusent leurs amis. Tu vas voir un homme qui était déçu. Il a le courage d'accuser tous ses amis. Il a le courage d'accuser sa famille. Ah oui. Mais il n'a pas le courage d'accuser sa femme. Hein? Parce qu'il a honte. On t'a pris par douceur, Niéman. On te parlait, tu ne comprenais pas. Pour la même femme, tu as abandonné ta mère, ton père, tu as abandonné tes frères, tes soeurs. Pour la même femme, tu as abandonné tous tes amis. Alors qu'elle, elle n'a abandonné personne. Pour la même femme. Je connais un qui a envoyé son ami en prison pour la même femme. Aujourd'hui, il est là, il pleure seul. On l'a abandonné et tout, même les enfants. Niéman. Je paye une ration alimentaire. Ma chérie, Kamoaz Layana, je me suis marié à 23 ans. Je suis un homme courageux. Ok? J'ai connu ma femme. On s'est mis ensemble. 20 ans, 21 ans. Ok? 23 ans, on a commencé à habiter ensemble. Je me suis marié à 23 ans. Je n'ai jamais eu peur du mariage. Mais j'ai toujours dit que, petit frère, sache que quand tu te maries là, tes biens ne t'appartiennent plus. Voilà, je suis un homme courageux. Mais, avec le temps, j'ai compris la vie. Voilà. Voilà. Un homme doit prendre son temps pour se marier. Arrêtez ça. Hi. Un homme doit prendre son temps pour se marier. Ah. Surtout un Africain. Spécialement les Camerounais. Et surtout quand tu es l'enfant d'un pauvre, comme les Noussi là, et tu peux épouser la fille d'un pauvre qui est calculateur, calculatrice, tu es mort, tu es mal parti. Ah. Et c'est même les erreurs, tu épouses ta femme, elle est chez ses parents tous les jours, c'est une erreur. Non, pas fait quoi là? Tu pas fait quoi là-bas? Mais tu épouses ta femme, chaque jour elle est chez sa famille. Il faut avoir peur, méfie-toi. Non, laisse ça, un homme doit faire le calcul, laisse ça. Un homme doit faire le calcul, laisse ça. Voilà. Non. Va dire ça au blanc, c'est un Africain. Voilà. Va dire ça aux blancs. Les blancs qui ne font pas le calcul sont les plus malheureux en amour. Voilà, il y a plus de déceptions amoureuses en Asie, en Europe, en Amérique, que partout sur la terre. Malgré qu'ils font les calculs, ils font le calcul. Choisis la monogamie sur le calcul. Si tu mets les femmes là, sur 100 femmes, tu demandes quel régime elles vont choisir. Tous. C'est régime monogamie, c'est pas le calcul. Qui calcule plus que la femme?
Pourquoi vous ne choisissez pas le régime bien séparé? Qui calcule plus que la femme? Qu'un homme ne doit pas trop calculer. Comme ça, vous faites après vous tuer les hommes de truie. Beaucoup tuent les hommes en leur donnant la maladie, les AVC. Ce que ton mari n'aime pas, c'est ce que toi tu fais. Parce que tu sais que ça va le pousser à la mort. Moi, petit frère, j'entre en salle. Je coule la sueur. Je ne meurs pas le premier. Jamais. I don't go die. Je suis un Bouddhman. À ma chance que tu rencontres un banga là. Mon passé se réveille à moi. Je pense ma vie dans le désert de la Libye. Du Tchad, Faya, Lajo, Kofra. Centrafrique, Soudan, partout, Érythrée. Je parle de l'Afrique. Dis donc. Niger, Tchad. Dis donc. C'est toi qui vas me gagner. Mais attendez, voilà une Babylone qui veut m'imposer. Non, je vais jouer à ton jeu. Je suis résistant. Ouais. 45 ans, regardez l'homme. Regardez l'homme. Et là, j'ai arrêté de faire le sport. Là, j'ai arrêté de faire le sport. Vous allez tuer que les faibles. Vous allez tuer que les petits qui se négligent là. Tu vois un petit gars tellement il stresse, il se laisse emporter, il mange, il s'étouffe. Comme le Ndormo là. Tu vas voir un gars, c'est un comédien Ndormo. Mais il est là comme ça, là, comme la maison. Il boit, partout il est gonflé, la maladie. Voilà. Je te dorme au bar, pour déception. Parce qu'on lui tourne le dos. Il a raison. Oh. Bah, maman, pardon, tu sais que tu es ma soeur, non? Tu es ma mère. Mouf. Poète. Je vais laisser ma mère, pourquoi tu deviens ma mère? Petite sorcière. Hein? Voilà. Cédric. Ben oui. Regardez bien la vie. Nos grands-parents mettaient l'homme sur terre. Nos parents sont vite morts. Pourquoi? Parce que beaucoup ont voulu embrasser la vie de l'Occident. Nos grands-parents étaient tous des polygames. Le père de ma mère est mort à plus de 90 ans. Le père de mon père est mort à plus de 90 ans. Tous étaient polygames. Mais oui, était polygame. Mais comment à nos jours d'aujourd'hui, mon père est mort depuis à 43 ans. Les amis de mon père, alors, ils n'avaient qu'une seule femme. Mais ils avaient les femmes dehors, avaient les enfants beaucoup, le stress. Alors, petit frère, le nombre dans le désordre, c'est ça qui crée le problème. Le nombre dans l'ordre, petit frère, tu avances. Un polygame qui assume sa polygamie. Si tu assumes une fille, même Dieu va t'accompagner. Parfois, ce qui nous tue, c'est qu'on n'assume pas. J'ai toujours dit, quand tu es un homme marié, que tu te mets avec une femme, tu connais que Dieu va vous aider pour vos ambitions. Dans vos ambitions et dans vos réalisations. Ok? Voilà. Mettez-vous ensemble. Et si vous ne vous entendez plus et vous jouez à l'hypocrisie, vous n'allez pas avancer. Ça ne sert à rien. C'est vice versa. Si vous ne vous entendez plus, il est mieux de vous séparer. Parce qu'on n'avance pas dans le désordre. On n'avance pas quand on est détaché. Ils ne comprennent pas. Les femmes d'aujourd'hui ne savent plus lire. Ne savent plus lire. Même l'animal, regarde comment l'animal frotte. Se frotte. Hein? Hein? La femme, hein? Elle se frotte. La femelle, elle se frotte sur le masculin. Elle se frotte. Elle est en chaleur. Tu épouses ta femme aujourd'hui, c'est tout toi qui réclame. Tout toi qui réclame. Elle ne lit même pas que le gars s'il a mis. Il est dans la chambre depuis là, elle n'est pas sortie. C'est comment? Elle aussi, elle est assise là dans sa télévision, elle regarde. Avec Facebook, tu vois, elle regarde. Elle rit seule, elle se fâche seule sur la vie des gens. Elle passe son temps sur Facebook à regarder la vie des gens que eux là, elle peut loger. Elle regarde la vie des gens. N'ont rien, elle a tout, elle vit sous son toit, elle a sa voiture, elle a le chauffeur, elle a le gardien. Mais elle regarde la vie des gens qui vendent le rêve, qui arrangent leur vie pour venir présenter sur Facebook leur fausse vie. Voilà.
Petit frère, c'est le pauvre qui fait ses choses sans calculer. Dès lors que tu es millionnaire, il faut calculer. C'est les histoires. Chez le pauvre blanc, on calcule. Il n'y a que le blanc qui sait qu'aujourd'hui ne sera pas demain. Tout ce qu'il fait, il calcule. Là, c'est son avenir qui est important. Voilà. Il y a les hommes qui ont tout perdu parce que il se marie, il a tout donné. Non, non, ma belle-mère, c'est ma mère, non, dis donc. Ma mère peut attendre. Tu portes toute une famille, tu amènes en Europe. Ah oui. Tu portes toute une famille, tu amènes dehors. Le jour qu'il y a les problèmes, elle est plus forte que toi. Parce qu'elle a sa famille à côté d'elle. Toi, tu pètes les plombs. Parce que tu n'as amené personne. Tu vas t'accrocher à qui? Qui va te remonter? Il n'y a que ta pauvre mère. Hier, quand tu étais fort, tu avais un bon statut, tu avais un bon compte bancaire, tu pouvais faire venir ta mère et tes frères. Tu n'as pas pu. Tu as tout mis en garantie pour la famille d'une femme que tu as rencontrée. N'importe quoi. Tu as vu ça? On est là pour éveiller nos petits frères. Petit frère, n'écoutez pas les commentaires des femmes là. Ok? Tu fais venir ta mère. Voilà. On épouse une femme pour qu'elle devienne ta famille. Ce n'est pas la femme qui t'épouse. Tu épouses une femme pour qu'elle devienne ta famille. Est-ce que vous comprenez? Ma mère est chez mon grand-père jusqu'aujourd'hui. Ma mère en Banga. Tu passes là, tu vas la voir devant la maison. Ma mère, elle est là chez mon, elle est chez mon grand-père. Écoutez-moi bien. Elle n'est pas chez mon père, elle est chez mon grand-père. On épouse une femme pour qu'elle devienne une membre de la famille. Moi aujourd'hui, nous les jeunes gars, on épouse les femmes. Les familles finissent par nous adopter. Oui, ta belle famille doit t'aimer. Mais, la vie, ce n'est pas hors d'arriver. On est égaré. Beaucoup de hommes sont égarés. Et le jour que ça se gâte, c'est tout est possible. Ça peut se gâter. Le nombre d'enfants ne garantit pas une vie éternelle avec une personne. Le mariage, ce n'est qu'un document qui légitime la vie entre deux personnes. Ce n'est pas interdit que vous vous séparez. C'est clair. Après, elle soit malin. Voilà une fille qui se sépare avec son mari. Psychologiquement, elle est plus forte que toi. Pourquoi? Parce que avant ça, tu as fait venir toute sa famille. Elle s'accroche, elle a son frère, elle a ses soeurs. Elle n'est pas. Elle ne souffre pas psychologiquement comme toi. Alors, dans ça, tu as perdu. C'est toi le grand perdant. Ce sont ses parents qui t'ont envoyé à l'école. Quand tu souffres là, ses parents étaient là. Hein? L'amour, l'amour, il a fait son nom de l'amour. Tu es bête. Donc tu as tellement donné l'amour aux inconnus, si bien que tu as oublié ta propre mère, ton père qui t'a donné la vie. Tu es bête. Merci à toi. Tu vois, on est en train de discuter, tu dis que je ne suis pas un vrai homme. Ah, c'est un manque de respect. Je vais te bloquer. C'est mon point de vue. C'est pas ce que tous les hommes pensent. Et il y a des hommes qui, il y a des femmes qui sont dans les mers. Aujourd'hui, qui se sentent mères, qui comprennent déjà ce que moi je suis en train de dire. Te voilà, tu es une femme. Sauf si peut-être tu es stérile, sauf si peut-être tu n'as pas d'enfant. Est-ce que c'est normal que ton enfant épouse la fille de quelqu'un et donne tout à cette famille? Toi, tu manques de tout. On parle, nous sommes dans la logique. Tu ne peux pas me dire que je suis pas un homme. Ça, c'est un manque de respect à mon endroit. Ça ne marche pas. Je risque même de te bloquer. Ce n'est pas ce que moi j'ai pensé hier. Aujourd'hui, j'ai mon garçon. J'ai ma fille. Je les envoie à l'école. C'est pour que demain, ils vont se marier et m'oublier. Hein? Il y a des parents qui ne te demandent rien, mais ils ont besoin. C'est juste le respect des parents. Il y a des parents qui se respectent, qui ont la dignité. Mais nous tous, on connaît. La femme a le courage de demander quelque chose à son mari. A demander un service à son mari. Chérie, fais-moi telle chose, telle chose. Mais elle n'a pas le même courage pour demander un service à son mari de faire des choses dans sa famille, dans sa propre famille. Je suis un père d'enfant. Nous sommes dans la logique. Peut-être tu es encore une jeune, tu as les petits-enfants camoises. Ce que je dis, est-ce que ce que je dis là c'est mauvais? On ne te demande pas de détester ta belle famille. Mais il y a la logique dans la vie. Il y a la logique. On connaît des hommes que les parents dorment dans le carabot. La femme est femme au foyer. Ils laissent leur maison en carabot pour aller construire la maison de ses beaux-parents qui est en dur. Qui est en dur. Ils mettent tout à l'intérieur. Et c'est normal.
Moi, tu ne suis pas un homme. La vie, ce n'est pas hors d'arriver, c'est toi le général. On identifie un homme, quand il devient grand, par ses parents. Est-ce que c'est normal que parce que tu t'es marié, tu laisses tes parents dans la misère, dans la souffrance? Si toi, une femme, tu as épousé un homme et que tu acceptes que cet homme laisse ses parents dans la précarité, c'est toi qui es une mauvaise femme. Il y a des enfants aujourd'hui qui payent le prix de l'ignorance de leur papa. Mais oui, il y a des familles aujourd'hui qui payent le prix de l'ignorance de leur papa parce que le papa avait tout, mais il a laissé ses parents à lui dans la misère. Grand, j'aimerais que tu donnes ton avis si quelqu'un au Cameroun gagne 10 000 francs par jour. Il ambitionne aller en aventure. Julie Photo. On n'est pas droit en aventure parce qu'on va chercher l'argent. On part en aventure parce qu'on va découvrir. Il n'y a pas plus riche que quelqu'un qui a exploré, qui a vu des choses dans sa vie. Désolé. Ok? Je te jure que tout ce que j'ai vendu au Cameroun pendant 3 ans, ça venait du dehors. Ok? Ça veut dire que ce que je fais dehors là, je peux le faire au Cameroun. Il suffit d'avoir un bon partenaire. J'ai mes partenaires. Si j'envoie l'argent, je m'envoie la marchandise. Alors, tu comprends? Actuellement, là, qu'est-ce que je veux te dire que je fais dehors? Profite un peu de la vie. Mais oui. Profite un peu de la vie. Dis que je vais voyager pour explorer, pas pour l'argent. Parce que ça veut dire que 300 000 est petit pour toi. Mais 300 000 est beaucoup pour quelqu'un qui vit au Cameroun. 300 000 est beaucoup pour quelqu'un qui vit au Cameroun. Surtout si tu as moins de 30 ans, si tu as moins de 40 ans. 300 000 est beaucoup pour toi. C'est parce que tu rêves. Il n'est pas interdit de rêver. Et quand tu es jeune, il faut explorer. Pour ne pas regretter. La vie, c'est ça, c'est les opportunités. Tu as quel âge? Si tu pars, tu fais 2 ans. Ça ne marche pas, tu rentres. La vie aussi, c'est ça, découvrir. Faire des rencontres. Il y a des rencontres que tu n'auras jamais, que tu ne feras jamais les connaissances tant que tu n'as pas marché. Il y a les célébrités que tu ne verras jamais. Moi, j'ai vu les Arnold Schwarzenegger, les Denzel Washington, plusieurs personnes. Au Cameroun, tu ne verras jamais. Le voyage est bien. Le voyage est bien. Il y a même des gens au Cameroun que tu ne verras jamais dans la vraie vie. Mais dehors, tu les rencontres. Ah oui, la vie, c'est ça. On ne voit pas tout parce qu'on ne va pas chercher l'argent. Hein? Pas de mentir. Avec le temps, j'ai compris. Puisque moi, voici dehors. La voiture que j'ai au Cameroun, je n'ai pas ça ici. La voiture que j'ai au Cameroun est plus grosse que ce que j'ai ici. Alors que c'était ici, j'ai porté, j'ai amené au Cameroun. La maison que j'ai au Cameroun, je n'ai pas ça ici. Je vis peut-être sur 80 mètres carrés. Alors qu'au Cameroun, j'ai une maison sur 600 mètres carrés. J'ai l'espace, j'ai les jardins. J'ai aussi les locataires. Mais ici, je dois sortir tous les jours pour aller me battre parce que je dois payer la maison tous les mois. Je dois payer le parking. Je dois. Je dois. Alors qu'au Cameroun, non. Est-ce qu'on voit tout parce qu'on cherche l'argent? Mais non. On peut rester sur place. On envoie son argent. Ce que je peux te dire, c'est que si tu ne veux pas voyager, tu peux trouver un bon partenaire avec qui tu peux faire les affaires. Tu épargnes ton argent. Parce que si tu veux être riche, sache que tu dois risquer ton salaire. Elle était 300 000 là, tu l'épargnes, tu entres dans les tontines. Tu dis, avec ma petite femme chérie, on doit épargner 150 000 par mois. On doit réduire les dépenses. On doit changer de maison. Il ne faut pas avoir 300 000, tu peux vivre là où tu payes 100 000 par mois.
Tu fais comme ça pendant 2 ans, 3 ans, tu as ton capital. Tu essaies de voir ce que tu vas faire. Oui, alors? Hein? Oui, alors? Oui, mon frère. Oui, Jean-Baptiste, comment? Oui. Ok, ok. Ok, grand merci, demande, grand merci. J'ai essayé de t'appeler depuis l'autre jour, mais ton téléphone ne passe pas. Ok, ça marche. Oh, bon séjour au Cameroun alors. Quand sont les pains? Oh, dernier. Oui, tu as le numéro là pour aller donner à la quincaillerie là. Ouais, filme, il faut une fois continuer là-bas, comme tu es rond-point là-bas, continue une fois là-bas. Donc, filme alors, tu m'envoies s'il te plaît. Il y a un petit nylon plastique orange dedans là. C'est ce que tu vas donner, s'il te plaît. Tu ouvres ça, tu me filmes, tu m'envoies, pardon. Hein? Il y a un plastique un peu orange. Ouais, 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 tu vas ouvrir, ouvre, tu me montres ce qu'il y a dedans, je t'envoie le numéro là-bas. Le client là m'a trop fatigué. Bon, merci. Voilà, Michael Douglas, ouais. Non, mon frère, tout ce que je peux te dire, c'est que ne voyage pas parce que tu dis que tu vas chercher l'argent, non. Le monde aujourd'hui est presque même partout. Ok? Tu peux être au Cameroun et vivre comme si tu étais en Chine. Ça veut dire, tu peux vivre au Cameroun et vendre la marchandise qu'on vend en Chine. Tu peux vivre au Cameroun et vendre ce qu'on vend en Indonésie, même au Japon, même aux États-Unis. Mais le plus grand marché à nos jours d'aujourd'hui, là où tu peux t'en sortir, c'est l'Asie. Hein. Même les Européens viennent ici acheter les choses. Là où j'ai acheté les mèches, là, les Français viennent là-bas, ils prennent un conteneur. Mais la différence, c'est que on les vend la qualité et pour eux, coûte encore plus cher. Ils font un conteneur. Ça coûte cher. Nos mèches que nous on achète là, ce n'est pas la qualité qu'on les vend. Hein. Eux là, ils ont l'argent. Ça coûte cher. Quand tu vois dans les grands aéroports, les mèches de qualité, les mèches qui sont fines là. Hein? Non, 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 non. Les mèches fines là comme ça là. Non, non, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, tu as 300 000 par mois au Cameroun, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, gars. Beaucoup d'argent. Quand il y a 300 000 au Cameroun. Maintenant, alors, c'est comment gérer alors les 300 000 là? Parce que quand tu as 300 000, c'est un gros salaire. C'est un gros salaire. Voilà. Par rapport au coût de vie. Mais si tu vis au-dessus de tes moyens, tu es mal parti. Maintenant, si tu penses que tu vas voyager, c'est pour acquérir une expérience de vie. C'est tout. C'est les étudiants de la vie. Voir plus. Voilà. C'est pour chercher l'argent. Ce que je sache, c'est que avec le système de corruption qui est en Afrique, il y a plus d'opportunités en Afrique pour avoir l'argent. En une fraction minute, hein, il y a plus d'opportunités en Afrique pour avoir de l'argent. Parce qu'il y a la corruption. Un peuple où on est corrompu. C'est plus facile d'avoir l'argent, non? Plus facile d'avoir l'argent. Voilà. Et là où il n'y a pas la corruption, tu dois mériter. Tu dois mériter. Voilà. Tu dois mériter.